ma première idée était de faire un festival déjà sur l'île de Ré parce que j'avais mes grands-parents qui sont rochelais. Et ma patte, c'est d'amener surtout des très très bons musiciens avant tout, de faire un festival de qualité et qui a un côté familial, que chaque année ça soit un peu les mêmes musiciens qui reviennent, qu'il y ait un noyau dur. Et voilà, qui a un côté familial, mais surtout de grande qualité musicale, en fait. C'est la chose qui est, pour moi, très importante. Choisi pour cette première année, c'est des tellement belles œuvres que je savais déjà que tout le monde serait content de jouer ça. Et ce que je voulais aussi, c'est que pour la première année, ça soit quand même des œuvres assez faciles à écouter, comme la Truite de Schubert, on a fait les 4 saisons de Vivaldi, ça tout le monde connaît. Hier, c'était peut-être un peu plus compliqué parce que le quintet de Brahms, c'est la fin de vie de Brahms, qui est déjà un peu plus complexe, mais j'ai constaté que ça avait très bien marché. Donc voilà, ce soir, c'est Quatuor de Brahms qui est magnifique, enfin voilà. Donc voilà, après l'année prochaine, j'ai peut-être envie de mettre déjà des choses peut-être un peu plus compliquées, comme des sections de Brahms, peut-être la Nuit transfigurée de Schoenberg. Mais enfin voilà, les idées se font simplement, hein. C'est juste qu'on a envie de jouer ça et on sait que les gens, logiquement, devraient aimer cette musique en fait. Il faut qu'on soit un peu aidé, parce que là c'est vrai que cette année on a fait tout seul, donc financièrement c'est quand même évidemment un coût. Après il faut bien prendre les risques pour que ça puisse recommencer, mais j'espère qu'on sera là, mais il va falloir qu'on ait quelques aides, certainement du conseil régional, enfin qu'on soit soutenu, qu'on sente que les gens aient envie que ça se pérennise, et que voilà, on a besoin d'être aidé évidemment pour un projet comme ça.